crois-moi. C'est l'aventure ultime. Je suis de Toulon, dans le sud de la France. Avec mon jumeau Hugues, nous sommes les derniers d'une fratrie qui compte une sœur Claire, devenue cantatrice, et quatre frangins, tous marins. Enfants d'une mère institutrice et d'un père musicien, on grandit dans cet appartement déclaré insalubre. On n'a pas de chaise autour de la table. On dîne sur des caisses en bois. Mais pourquoi je vous raconte ça, moi? Parce que sans le soutien de ma famille, jamais je ne serais reparti. Alors merci. En 2017, quand Armel Lecléache pulvérise le record de l'épreuve en 74 jours, le dernier en met 124. Et le dernier, c'est moi. Submergé de gratitude par ces dizaines de milliers de personnes venues m'accueillir en soi-disant héros, ma décision est déjà prise. En 2020, mon bateau s'appellera Merci. Mais y retourner pourquoi, me demande ma très chère mère. Ben, vous savez bien, maman, pour savoir si j'en suis capable. Et ton truc, là, c'est quoi, au juste? Après le départ des Sables d'Olonne, vous n'avez plus le droit de poser pied à terre. Et personne ne doit monter à bord avant la ligne d'arrivée. Entre les deux, vous foncez plein sud, vous faites le tour de l'Antarctique et vous rentrez à la maison. Ah! T'es en train de me dire que tu repars faire un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est bien ça, mon fils? Oui, maman. Le vent des globes, c'est aussi simple que ça. En fait, quand on pénètre dans les 40e rugissants, où les vents soufflent en tempête et les vagues sont hautes comme des montagnes, on pénètre dans l'univers impitoyable, où la mort rôde et notre présence est à peine tolérée. D'abord, il faut se farcir ce grand sadique d'océan Indien, puis on passe au sud du continent austral, avant l'immensité du Pacifique, et son point le plus éloigné de toute terre émergée, le point Nemo. Au bout du tunnel, la porte de la délivrance, le Cap Horn. 50 jours. On passe 50 jours dans l'enfer des mers du Sud, là où seul reste l'espoir. Vous êtes d'accord? On ne peut pas dire ça à une maman. Alors merci. À moins d'un an du départ, les autorités changent les règles et déclarent mon ancien compagnon obsolète. J'emprunte un paquet de fric et avec toute mon équipe, c'est-à-dire mon frère et moi, on fonce à Saint-Malo. Là, dans un terrain vague, il m'attend. C'est avec lui que je vais refaire le tour du monde. Mais d'abord, on a jusqu'à fin août pour terminer une qualification en solitaire. Seulement voilà. Le matin du départ, on s'aperçoit que toutes nos voiles ont été volées dans la nuit. J'appelle mon jumeau.
Hugues, mais le planning de sa voilerie sans dessus-dessous et m'apporte des voiles de remplacement avec lesquelles je termine cette qualification in extremis le 31 août à 5 heures du matin. Alors merci. 3 semaines avant le départ, Merci est éliminé du Vendée Globe à cause d'une batterie défaillante. On bataille avec l'organisateur et on obtient un ultime sursis. J'ai jusqu'à minuit pour réussir les 5 heures de navigation au moteur afin d'éviter l'exclusion définitive. Ce soir-là, René, le contrôleur, grimpe à bord et alors qu'il déclenche son chronomètre à 18h43, il me dit « Sébastien, c'est ta dernière chance. » Presque 5 heures plus tard, à 23h31, tous les voyants du moteur passent au rouge écarlate et on a encore 12 minutes à tenir. C'est long. C'est horriblement long. René vérifie son chronomètre. Il est exactement 23h43 et je ne vois aucune raison valable de te refuser ton certificat. Il n'a pas fini sa phrase que le moteur coupe brutalement. Mais c'est dans la poche. Et le 8 novembre 2020, jour de départ de cette conquête de l'inutile, s'ouvre devant moi 45 000 kilomètres de liberté absolue. Alors merci. Au large du Brésil, je dois escalader les 29 mètres du mât pour aller enlever un des 2 anémomètres qui se balade. C'est quand même un immeuble de 10 étages. Hein. Pour un mec qui a le vertige. 2 jours d'affilée, j'abandonne l'ascension aux 2 tiers. Ça secoue trop. J'ai des bleus partout. J'appelle mon jumeau. Hugues me dit « Tu te souviens, il y a 30 ans, sur ce petit bateau au championnat du monde en baie de la Baule, on l'avait couché à plat sur l'eau pour que tu grimpes en tête de mât, tu te souviens ?»« T'es sérieux, là ? T'as vu la taille de Merci ? Je fais comment, seul ?» Et ? Ça change quoi ? Ça change quoi ? Mais t'es complètement cinglé ou quoi ? En fait, quand tu n'arrives pas à atteindre un problème, le plus simple, c'est de l'amener à soi. Alors oui, en plein milieu de l'Atlantique, j'ai couché le bateau et je suis allé réparer cette bricole tout là-haut. Alors merci. Dans l'océan Indien, au large des Kerguelen, Merci surf de vague en vague. Quand soudain, on part en tête à queue, le pilote automatique a lâché. Je saute sur le pont, j'empoigne la barre, tire d'un coup sec pour remettre le bateau dans l'axe, et là, tout le système de direction explose. Un peu comme si à 130 sur l'autoroute, le volant de ta bagnole te restait dans les mains. Jusqu'en Nouvelle-Zélande, je passe 1 mois à réparer Merci. Confiné dans ses entrailles, un espace à peine plus grand qu'une boîte à chaussures et lugubre comme un cercueil. 8 fois, le pilote automatique me claque dans les doigts. 8 fois, on doit stopper en plein océan. 8 fois, je m'enfonce dans les catacombes en pensant, là, ça va le faire.
8 fois, je suis la risée des terriens assis devant leur télévision. Et 8 fois, je me dis, mon pote, tu as besoin de moi. Et j'abandonne pas un pote. Alors merci. Un océan de 8000 km plus tard. Et une fois passé la Nouvelle-Zélande, quelles sont mes chances de traverser le Pacifique et d'atteindre le Horn ? J'appelle mon jumeau. Hugues, j'en peux plus. Je sais pas quoi faire. Le bateau est en vrac. J'ai du sikaflesque et de l'huile d'hydraulique partout. Je sais pas quoi faire. Sébastien. Il y a un mois, quand ton système de barre a pété, c'était mort. J'aurais lâché l'affaire. Sans déconner, tu ferais Toulon-Porquerolles sur un bateau dans un état pareil ? Non, pas sans avoir réparé la barre. Eh ben voilà. L'exploit, c'est d'arriver en guenille en Nouvelle-Zélande. Devant toi, tu as 1000 Toulon-Porquerolles pour rejoindre les Sables d'Olonne. Tu vois quelque chose à ajouter ? Il est peut-être temps pour moi d'avoir une sérieuse conversation en tête-à-tête avec moi-même. J'observe ce pauvre mec assis là et je lui dis « Tu peux y aller quand même. Ça passe ou ça casse, on s'en fout, tu peux tenter le coup. Mais écoute-moi bien. Si tu fais ça, si tu décides d'y aller quand même, tu y perdras mon respect. » Ce pauvre mec relève doucement la tête et me répond avec ses joues inondées de larmes salées.